On se retrouve aujourd'hui sur le plan d'eau du Sang-en-Forêt, l'un des deux réservoirs de pêche à la mouche du département, avec celui de Noirétable au nord de la Loire. Pour accéder à ce plan d'eau, chaque pêcheur titulaire d'une carte de pêche valide devra prendre un ticket soit demi-journée, soit journée complète. Deux moyens pour réserver, pour prendre son ticket, pour s'inscrire, soit sur le site internet de la fédération, soit au bar Le Quelque Part à Saint-Bonnet-le-Château, nouveauté 2021. Ces deux réservoirs sont accessibles de fin septembre, début octobre à mi-juin. Côté réglementation, c'est une pêche mouche artificielle obligatoire, hameçon simple sans ardillon ou alors bien écrasé. On a le droit de pratiquer la pêche bien sûr du bord, également en flotte tube. Nous réalisons de nombreux déversements, environ tous les 15 jours. Et une équipe de garderie essaye de contrôler les pêcheurs quotidiennement.